message prophétique pour l'Église. Amen. Mais il ne sera pas exubérant. Amen. Tout exubérant ce matin, sauf mon message. Amen. Et je dois respecter la manière dont Dieu veut que je parle. Je ne vais pas prendre beaucoup de versets. Romains 12, verset 15. Nous sommes debout, nous allons lire cette parole. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ce matin, j'ai une parole prophétique pour l'Église du Congo. Dimanche, j'ai eu une parole prophétique pour les familles du Congo. Mais ce matin, Dieu m'a donné un message prophétique pour l'Église du Congo. Et je bénis Dieu parce que ces 30 matins ne rassemblent pas seulement les frères et sœurs de la compassion, c'est devenu un rassemblement du corps du Christ à Kinshasa. Et je prie Dieu que ce message parvienne aux églises locales. Souvent, lorsque nous lisons cette parole, c'est une parole de deuil. Nous la prêchons souvent dans les deuils, qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce message ne concerne pas que le deuil. Ce message concerne aussi les malheurs qui arrivent dans la vie des hommes, des gens. Ce n'est pas seulement la perte d'un être cher qui est un malheur. Il y a plusieurs sortes de malheurs sur cette terre. Et le thème de ce message, c'est « L'amour ne se réjouit pas des malheurs des autres ». L'amour ne se réjouit pas des malheurs des autres. Et quand je parle des malheurs ce matin, au-delà des deuils, je parle même du péché. L'amour ne se réjouit pas lorsque quelqu'un tombe dans le péché. L'amour ne se réjouit pas lorsqu'il y a le scandale. L'amour ne se réjouit pas lorsque même un pécheur est jugé par Dieu. L'amour ne se réjouit pas lorsque même ton ennemi est frappé par Dieu parce qu'il t'a touché. L'amour ne se réjouit pas de cela. L'amour ne se réjouit pas lorsqu'un pasteur tombe dans le péché. L'amour ne se réjouit pas lorsque un serviteur de Dieu tombe dans le péché, ça fait un scandale. L'amour ne se réjouit pas lorsque un rebelle à l'église est frappé par Dieu. L'amour ne se réjouit pas de cela. Et il y a un exemple terrible dans la parole. Moïse, sa sœur Myriam se tient devant son autorité. Elle dit, est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Est-ce que Dieu ne parle que par lui? Et la Bible nous dit que Dieu frappe Myriam, la frappe de la lèpre. Que fait Moïse? Il est content, il est heureux parce que Myriam est lépreuse. Est-ce qu'il a dit, vous voyez, je suis un grand serviteur de Dieu, vous avez joué avec mon autorité? La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous présente un Moïse qui intercède pour une personne qui a touché à son autorité, qui demande à Dieu d'enlever cette lèpre. Dieu même résiste, mais Moïse prie pour sa sœur. Souvent, nous les pasteurs, nous sommes heureux lorsque Dieu frappe un rebelle. Quelqu'un s'oppose à ton autorité, commence à souffrir, et tu dis, vous voyez, c'est la preuve que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Un sorcier te combat et il tombe malade. Et toi, tu es heureux qu'il tombe malade.
c'est pas ça la Bible. Qu'un frère de l'Église ici, un jour se rebelle, et puis toute sa vie est détruite, et nous les enfants de la compassion, on est heureux, on est content. Moïse a eu mal. Moïse a pleuré. Église du Congo, n'aimez pas seulement les personnes qui se soumettent à l'autorité. Aimez aussi celles qui sont frappées par le jugement. C'est ça la parole de Dieu. Nous voyons même dans Jean, une femme tombe dans l'adultère. On l'attrape. On l'amène aux pieds de Jésus. Les gens sont contents. On a attrapé une femme qui est tombée dans l'adultère. C'est que nous sommes devenus aujourd'hui. On est content de voir sur Internet un pasteur qu'on a filmé en train de faire des choses, des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu sont heureux comme ce n'est pas leur pasteur, comme ce n'est pas votre pasteur. C'est le pasteur de l'autre qui est en train de passer à la télé. On montre des choses tant que ce n'est pas votre pasteur Marcelo. Un manque d'amour. Heureux d'avoir attrapé la femme dans l'adultère et de la pointer du doigt. Elle est là. Les voisins voient ses enfants, tout le monde. Elle est humiliée. Et on est heureux tant que c'est la femme de l'autre, tant que c'est la fille de l'autre. On peut présenter son adultère. Mais quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Alors ils ont compris qu'eux aussi devaient être jetés là. Ce n'est pas parce que le péché de l'autre est connu que tu n'as pas de péché. Ce n'est pas parce que le péché de l'autre est connu que tu n'en as pas. C'est facile de juger les gens qui sont connus. Parce que les péchés des gens connus sont connus. Mais toi, dans le secret, que fais-tu? Es-tu meilleur que ces gens que tu juges tous les jours? Si on peut entrer dans ta vie aussi, révéler ta vraie vie, est-ce que tu es digne de dire quelque chose? L'amour ne se plaît pas au scandale, ne se plaît pas à la chute, où on est heureux d'entendre un grand musicien. Oh, il paraît ceci. Et les chrétiens se racontent comme des sorciers. Comme des sorciers. Des sorciers. Comme si quand on est là debout, en train de craindre Dieu, vous n'êtes pas content. Comme si quand on a un bon témoignage, on n'est pas content. Mais quand le péché entre et le jugement, voilà que les gens vont raconter partout. Une maladie dans l'Église. Une maladie dans les fidèles. Au point où même nous avons peur de vous. Vous savez ça? Nous avons peur de vous. Vous nous aimez quand on est parfait. Je suis ton pasteur quand je n'ai pas de problème. Je suis ton pasteur quand j'ai un bon témoignage. Là, tu viens à l'église, là, tu m'encourages. Mais si la faiblesse que tu as, que moi je supporte, m'arrive, tu vas me jeter dans la poubelle. L'Église. Des condamnés qui condamnent. Toi-même, tu es condamné, mais tu aimes condamner. Condamner ce pasteur, lui, il est occultiste, lui, il est impudique, lui, il est divorcé, celui-là, il est voleur, celui-là, il est escroc, celui-là, il est menteur. Et toi, tu es qui? Après avoir fini de dire, lui, il est. Qui es-tu? Toi aussi, dis, je suis ceci, parce que tu n'es pas parfait. Tu as des choses aussi. Des condamnés qui osent condamner. Et tout était parfait. Tant que Jésus n'avait rien dit, elle est adultère. Oui, elle est adultère. Mais toi, tu es voleur. Mais toi, tu es fraudeur. Mais toi, tu es menteur. Est-ce qu'il y a une échelle de valeur des péchés? Et même
une maladie que nous avons, c'est que l'Église aujourd'hui, si mon frère pêche, même s'il se répand, on ne croit plus, il s'est répandu. Où sont passés les temps dans les églises où les gens confessaient les péchés publiquement? Vous savez pourquoi on ne confesse plus publiquement? Parce que même si tu te répands, les gens ne vont pas croire. Ils gardent ta mauvaise image jusqu'à ta mort. Et nous avons le comportement du fils aîné. Le petit frère, il prend les biens de papa, il se livre à la prostitution. Mais après, il est quand même revenu. Il est quand même revenu. L'église, vous devez vous préparer à ce que les gens s'y reviennent. Il est revenu. Il a demandé pardon. Il était même prêt à ne même plus être fils, être serviteur. Mais voilà comment le fils aîné le reçoit. Fâché. Pourquoi papa fait une fête pour se prostituer, pour cet homme qui a dilapidé ses biens? Au lieu de se réjouir que son frère soit sauvé, lui pense à la bénédiction. Nous ne croyons même plus à la repentance des autres. Lorsque quelqu'un fait le mal, nous lui donnons une carte rouge. Fini, fini, fini. Mais nous-mêmes, lorsque nous péchons, nous voulons que Dieu nous donne une seconde occasion. Quand c'est ton tour, il faut qu'on te donne une seconde occasion. Mais quand c'est l'autre, carton rouge. Même les païens, ils donnent des cartons jaunes aux gens. Même les païens. L'Église n'a que des cartons rouges. Des imparfaits qui exigent aux autres des perfections. Des imparfaits, vous êtes imparfaits. Nous sommes tous ici imparfaits. Personne ici n'est parfait. Aucun de vous, aucun de nous, personne. Mais des imparfaits qui n'ont que des cartons rouges. Rien que des cartons rouges aux gens. Rien que des cartons rouges. Sache que tous les cartons rouges que tu donnes, en soi tu te les donnes. Parce que tu seras mesuré avec la mesure que tu utilises pour les autres. Bien-aimé, moi j'étais comme ça. Et je viens à peine de changer, il n'y a pas longtemps. Seulement dans la retraite dans laquelle je suis entré, Dieu m'a blâmé. Il m'a révélé une chose, que tu peux être dans la maison du Père sans avoir le cœur du Père. Le fils aîné était dans la maison du Père, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Il ne savait pas que papa, lui, il est capable de récupérer. De récupérer. Dites un peu les termes récupération, s'il vous plaît, parce que ça n'existe plus à l'église. Récupérer. Récupérer. Croyez-vous que Dieu peut récupérer certains que vous connaissez dans ce pays qui ont chuté? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous priez pour ça? Non, vous ne priez pas pour ça. S'il y en a qui prient, alors c'est une minorité. Nous avons jeté à la poubelle des personnes qui respirent encore. Tel vieux, ils sont encore vivants. Ils marchent, ils lisent aussi la Bible. Mais ils sont déjà dans la poubelle de l'église. Nous attendons seulement que Jésus revienne, qu'ils aillent en enfer. Mais tu veux que toi, Dieu, aie pitié de toi. Quand tu pleures en secret pour tes péchés secrets, que Dieu te pardonne. Mais eux, qu'ils aillent en enfer pour qu'ils soient la preuve du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Seulement pour l'autre, pas pour toi. Et nous les repoussons. Certains même, s'ils osent venir dans un culte comme celui-ci, tout le monde est mal à l'aise. Pourquoi? Il a perturbé le culte des saints. Oui, tous ces gens qu'on a jetés à la poubelle, si dans un culte, ils viennent, on les met ici, vous serez tous distraits. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous priez tous les jours que les âmes soient sauvées. Mais quand ces âmes veulent être sauvées, c'est vous les premiers aussi qui dites, n'entrez pas. Et le malheur dans tout ceci, c'est que ce problème a divisé l'Église. L'Église n'est plus un corps. L'Église est devenue des membres.
un petit doigt là, une tête ici, une jambe là-bas, votre église, votre pasteur. Compassion. Si un scandale arrivait à Chapelle de Vainqueur, comment allons-nous réagir? Nous serons contents. Comme ça, ils perdent la côte. Hein? Nous, on récupère les fidèles comme des taxibus. Si un scandale arrive à Bethel, vous serez contents. Vous voyez, le nôtre craint Dieu. Hein? Là-bas, ils ne craignent pas Dieu. Vous pensez que Dieu réfléchit ainsi? Vous pensez que nous sommes bibliques? Ou tu entends des mauvaises choses sur un serviteur de Dieu, tant que ce n'est pas votre pasteur, tu ne pries pas. Il faut qu'il soit ton pasteur. Avez-vous déjà vu ça? Il suffit seulement que tu aies mal à l'ongle, ce qu'on appelle sikama. Un tout petit peu, tu as des maux de tête. Mais la tête n'a pas le sikama. Pourquoi les maladies et les problèmes des autres églises ne touchent pas les autres églises? Parce que les églises ne sont plus dans le corps. Nous sommes devenus des boutiques, des entreprises qui portent des noms d'église. Quelle est la fierté que tu as d'aller raconter les problèmes et les péchés des serviteurs de Dieu? D'aller raconter les péchés de ton frère, de ta sœur, et de te réjouir même que Dieu le frappe, de t'en réjouir. Où est ce bonheur? Je me pose cette question. Lorsque Jésus a su que Judas s'est pendu, il était content. Quand Jésus a su que Judas s'était pendu, il a dit, vous voyez, les fils de la perdition. Non, je peux dire qu'il n'était pas heureux. Et qu'est-ce qu'il me le dit? Comment Jésus l'a traité avant qu'il le vende? Il a dit, mon ami, c'est avec un baiser que tu vends le fils de l'homme. Il n'a pas rejeté, va-t'en, perdu. Mon ami, il a appelé. Les gens qui sont en enfer, vous pensez que Dieu les a pris, les a jetés en enfer en riant? Non. Quand Jésus nous parle de Lazare et de l'homme riche, qu'est-ce qui est arrivé? Lazare appelle l'homme riche comment? Mon enfant. Mais il est dans le feu, il appelle mon enfant. Et Abraham ne peut t'appeler mon enfant sans que le Dieu d'Abraham t'appelle mon enfant. Les gens qui sont en enfer, Jésus pleure pour ses âmes. Il pleure, il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est pourquoi, mes frères, s'il vous plaît, arrêtons de nous moquer des pécheurs. Arrêtons de nous moquer des pécheurs. Que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, arrêtons de nous moquer. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Quand tu vois un garçon beau, mais qui est efféminé, tu ne peux pas rire. Tu as pitié de lui. Tu dis, si c'était mon frère, si c'était mon enfant. Quand tu vois une fille lesbienne, pourquoi tu peux rire? Pourquoi tu ne dis pas si c'était ma sœur? Quand tu vois un drogué, pourquoi tu ne dis pas si c'était mon frère? Et dans ma retraite, je me suis rendu compte que tu peux servir Dieu depuis des années, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu parles de lui, il rit même, il rit. Excusez-moi si nous finirons les 30 matins comme ça. Mais je vous dis, mes frères, tous les jours nous péchons. Et voilà la sorcellerie que nous révélons. Cette prédication, on va le mettre sur Internet, elle peut atteindre 50 000 vues, 200 000 vues. Mais s'il y a un scandale, ça atteindra des millions de vues. Qui partage ça? Les chrétiens. Qui appuie sur j'aime? Les chrétiens. Qui envoie aux autres? Les chrétiens. Les chrétiens, ils aiment le scandale. Ils aiment les scandales. Ils aiment parler des péchés des gens. Un passage m'a toujours étonné. Et d'ailleurs, je m'arrête là. Vous voyez, dans nos églises, on nous enseigne souvent que Dieu frappe tes ennemis, que Dieu frappe tes ennemis. Mais vous savez que la Bible dit que si Dieu frappe ton ennemi et tu t'en réjouis, il va arrêter de le frapper pour te frapper. Pourquoi? Il te rend méchant.
Car Dieu, même quand il frappe ton ennemi, le frappe par amour. Et toi, tu ne dois pas aimer ça parce qu'il ne le fait pas par méchanceté. Ne te réjouis pas quand Dieu frappe ton ennemi, de peur qu'il s'arrête et qu'il te frappe. C'est-à-dire que quand Dieu frappe ton ennemi, toi intercèdes pour lui pour dire, Seigneur, ne tape pas trop fort. Ne le tue pas, Seigneur, fais-lui grâce qu'il se convertisse. En soi, il ne savait pas. C'est pourquoi Étienne a pu dire, Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas leur péché. Oh, Étienne, quoi? On est en train de te lapider après une puissante prédication parce que tu as dit que tu as vu Jésus et tu dis, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas, ne les juge pas. Que leur famille ne soit pas frappée à cause de ce qu'ils me font, Étienne. Cette joie que tu as de voir quelqu'un chuter, de voir quelqu'un qui servait Dieu bien, et un jour sur le chemin, il arrête. Ça te vient d'où? Moi, quand je vois certains aînés, moi que j'ai reçu, j'étais protocolaire. Un aîné, un jour, je l'ai reçu à la porte, bien aimé, rien que son passage à côté de moi, le vent qui l'accompagnait, j'ai senti une onction. Cet homme marchait comme s'il planait. Il avait un niveau de sainteté, de consécration. Il n'a même pas besoin de vous dire qu'il prie, qu'il craint Dieu. Il dégage ça. Mais aujourd'hui, quand je l'écoute parler, je l'entends prêcher, je ne le reconnais plus. Vous pensez que je suis heureux? Vous pensez que je suis heureux? Pour qu'on dise maintenant c'est le temps des jeunes. Nous avons maintenant le temps des jeunes, les vieux. Dieu a tué les vieux. C'est notre temps, la sorcellerie. Pourquoi tu ne tues pas ton père pour prendre sa place? Pourquoi tu ne prends pas sa place? Que Dieu tue tous les anciens pasteurs pour que nous les jeunes, c'est notre temps. Vous pensez que Dieu travaille comme ça? Quand je le vois, je me souviens des prédications qu'il m'a données quand j'étais un enfant. Comment il m'a influencé. Et je fais l'effort de garder au moins l'image, la bonne image que j'avais de lui. Et je prie que Dieu le relève. Que Dieu le relève. Qu'il ne rate pas tout ce grand travail qu'il a fait pour Dieu. Revenons à l'amour. Écoutez ceci. L'église Compassion n'est pas la meilleure de toutes les églises de Kinshasa. Quittez ces rivalités des églises, des compétitions des pasteurs. Ou quand c'est chez l'autre, pas de problème. Quand c'est chez vous, là c'est bon. Vous réagissez. Des fidèles qui ne prient que pour leur pasteur. Alors que nous, on nous avons enseigné à prier pour tous les pasteurs. Et vous savez quoi? Lorsque tu es dans la maison de Dieu sans amour, ces personnes qui sont en dehors de la maison de Dieu, sans le connaître, les jours qu'elles viennent dans la maison de Dieu, Dieu les bénit plus que toi. C'est pourquoi le fils prodigue a été plus béni même que le fils aîné, qui était à côté de papa sans avoir le cœur de papa. En sortant de ces 30 matins, je vous en supplie, réellement, faites de l'amour votre style de vie. Remettons en question notre manière de fonctionner. Remettons en question. Et comme j'ai enseigné pendant ces 30 matins, mettons-nous seulement à la place des autres. Si moi je pêche, comment je voudrais qu'on se comporte face à moi? J'aimerais qu'on me jette? Non, j'aimerais qu'on me récupère. J'aimerais qu'on m'aide. Si je deviens un grand pasteur, mais avec les années, il m'arrive de perdre des choses. Comment j'aimerais que la jeune génération me traite? J'aimerais qu'elle m'humilie ou qu'elle puisse prier pour moi et m'aider. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Et c'est ça l'Église. Et c'est ainsi même que le monde saura que nous sommes des chrétiens si nous nous aimons les uns les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.